Finalement, la famille royale suédoise est une famille comme les autres. Enfin presque. Le 8 juin dernier, la princesse Madeleine et son mari l'homme d'affaires Christopher O'Neill organisaient le baptême de leur petite dernière, Adrienne née le 9 mars dernier, au palais de Drottningholm. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En plein office religieux, Léonore, la grande sœur d'Adrienne âgée de 4 ans, a décidé de ne faire qu'à sa tête. Pourvue déjà d'un sacré caractère, la petite fille a tout d'abord fait le choix de se rouler au sol, pieds nus, à quelques mètres du représentant de l'église. Puis elle s'en est prise à son petit frère, Nicolas bientôt 3 ans, jusqu'alors très sage, à qui elle a mis quelques claques. Le tout sous les yeux terrifiés de leur mère, la princesse Madeleine de Suède qui, portant la petite dernière dans ses bras, a sommé son mari d'intervenir. La scène a, en tout cas, fait beaucoup rire dans l'assistance et dans le pays tout entier où le baptême royal était bien évidemment diffusé. La princesse Léonore de Suède n'occupe malheureusement que le 8e rang dans l'ordre de succession au trône suédois. Si est-ce dommage, son caractère déjà bien trempé promet quelques folies à l'avenir. I think.